Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors oui, je tourne cet épisode juste après le premier, j'ai le temps, donc j'en profite. Donc là, on se retrouve avec Elsa au lycée. C'est vendredi, le jour de la Saint-Valentin. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc que je comprenais pas, parce que c'était férié. Ça, quand j'ai vu que c'était férié, je me suis marrée, je me suis dit, ça y est, elle va jamais bosser. Mais il fallait quand même qu'elle aille à l'école. Donc bon, soit. Là, elle était en train donc de réviser pour les examens et elle va aller s'entraîner sur le tapis de course. Et d'ailleurs, c'est pas faux puisque ça fait un moment qu'elle n'est pas allée. Ben ils sont où? Ça fait un moment donc qu'elle n'est pas allée faire de sport. Bon, je pense qu'elle n'aura pas le temps puisque madame est restée plantée sur son ordi. Pouh! Je crois qu'elle est restée plantée sur l'ordi, qu'elle allait sécher le cours là. Je vous avoue, j'étais pas bien. Et du coup, franchement, je ne sais vraiment pas où est François. Hein. Même Émilie, on les voit même pas dans la salle. Ils ne sont nulle part. Pourtant, ils sont au lycée de Copperdale. Alors, je sais pas ce qu'ils font. Il y a des disparus. Mais meuf, elle est malade celle-là. Elle va aux toilettes, t'as demandé la permission? En plus, c'est un examen, mais t'es pas bien, toi. Non, mais elle part d'un examen, elle va sur le téléphone en disant qu'elle va aux toilettes. Mais tu te crois où? Mais elle est pas bien. Oh, la fada! Comment, justement, être interdite d'examen? Pour 5 ans. Donc, j'ai vu qu'elle avait faim, donc elle ira commander à manger et elle ira prendre après. Bah, enfin, elle ira parler sûrement à d'autres. Alors, où est-ce qu'elle va s'asseoir? Comme ça, j'espère qu'elle va se mettre avec, ouais, d'autres personnes. Ouais! Ah, pas du tout sociable, hein. Enfin, elle est sociable, si, justement. On va du coup faire une interaction amicale avec quelqu'un, ça nous fera augmenter les cours. Et d'ailleurs, c'est apparemment l'une des meilleures élèves du campus. Donc c'est super cool. Ça nous compte comme interaction amicale ou pas? Pas du tout. Ben, on va lui complimenter la tenue. Pourquoi elle change de table? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, revisuel pour les examens, on l'a fait en arrivant, voyons. Et en 30 minutes, j'ai envie de te dire, vaut mieux qu'elle mange. Hein. Arrête de lui parler. Mange. On te connaît, tu sais pas faire deux choses à la fois. Ils sont tous en train de réviser par contre. Et moi je suis là, telle une cancre, à juste manger mes trucs. Et elle laisse l'assiette par terre. Mais bravo. Et tu nous réussis l'examen, hein, Elsa. T'es pas l'une des meilleures pour rien. Hein. Et c'est un examen de quoi, là? Je sais pas. En vrai, j'ai quand même hâte d'être allée à fac, comme ça, de voir les matières. Ah non, mais non. Plusieurs questions de l'examen concernent l'ouvrage que toute la classe devait lire. Le livre racontait une histoire de Sims qui pouvait mystérieusement vivre pour toujours sans jamais vieillir. C'est l'histoire de... Ah, comment elle s'appelle, là? De notre Let's Play Échappée Magique. Il y a des questions spécifiques pour sur l'intrigue, les personnages et la fin. Sous forme d'une dissertation, parlez des thèmes clés et fournissez des exemples de ces... Bah non, on va compter sur sa compétence écriture. Contrairement à ce qu'elle croyait, Elsa n'avait pas du tout compris le sujet et y a donné une réponse très floue. Petit avantage à l'examen basé sur les compétences. Bah pourquoi il y a un avantage du coup? Mais va où? Mais tu vas pas prendre de... Mais elle se croit vraiment tout permis, elle... Oh, ton examen! Mais qu'est-ce qu'elle a avec la... Tu vas pas boire du café, t'en bois pas. Mais elle est tarée, hein. Si j'hallucine. Finis ton examen. On va avoir des notes pourries. Ah non, elle a plutôt bien réussi les examens. Bah punaise, c'est étonnant. Ah, tiens, on a la sosie, là. Elsa Lopez. Elsa Lopez. Qu'est-ce qu'il nous engueule, lui? Donc, sont enfin terminés. La journée a été épuisante. Elle est question difficile, mais la journée est enfin finie grâce au travail rapide du machin. Tous les contrôles ont été notés et les résultats sont disponibles. Elsa a plutôt bien réussi ses examens. En fait, t'es un rageux, t'es jaloux. Te faire insulter par Kentoro. Lui, je crois qu'il a vraiment un problème. On va rentrer et on va faire les devoirs et on va inviter François du coup pour faire un petit rendez-vous en tête à tête pour la Saint-Valentin. On va lui demander s'il veut bien nous accompagner au bal de promo. Parce qu'on n'y est toujours pas allé. Oh là, son père appelle pour discuter. Bah écoute, quand c'est pas la mère, ce père. D'ailleurs, c'est étonnant, on n'a pas une nouvelle de la mère depuis un ou deux jours là. C'est étonnant. Oh, bah tiens, quand on parle du loup, il y a la madré. Maman, on te manque tant que ça. Non, en fait, on va pas l'inviter. Bah non, parce que si on invite François, bon, ça va être un peu bizarre. C'est les claquer. François, tu veux bien venir sur le terrain? Ce serait quand même le moment idéal de se mettre en couple, hein. La Saint-Valentin, on fait pas mieux. Oh, elle est complètement HS, au secours. Oh! Oh, à peine il rentre, ça y est! Oh là là! Tous les machins de... Putain, mais il lui fait un effet! Pourquoi tu prends mes devoirs, toi? Pourquoi il prend mes devoirs? Tu es malade? Mais ce sont mes devoirs! Alors, tu peux me les terminer, hein, si tu veux, mais non. Tiens, d'ailleurs, tant qu'elle est encore en phase, là, vu qu'il est en geôleur, elle va nous terminer les devoirs, elle va en profiter. Non, on prend un jour de congé, là. Il est là, oh. Alors, on va se dépêcher tant que madame est encore... en état, on va lui illuminer la journée et on va commencer à faire des petits trucs de dragouille. On va lui offrir une rose. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais on va partager l'excitation de la Saint-Valentin. Oh, il prend la rose, hein. Et ben oui, excusez-nous, ça y est, quelqu'un est en train de lui faire des petits cadeaux. Hein. Ça se refuse pas. Hein. Non, parce que comme on le sait, il y a eu un coup de foudre direct pour les deux, donc voilà. Wouh, il lui a un petit câlin. Ah bah j'ai un peu de soleil le faire. On va l'inviter à rester dormir. Eh, hey, ça va, ça fait premier baiser, mon dieu. Ça va, ça fait plusieurs jours qu'ils se connaissent, ça fait presque une semaine. Ils peuvent se permettre de succomber à leur folie. Yeah.
Et du coup, il a invité, il a accepté de rester dormir. Alors, par contre, mon dieu, le bisou, au secours. Pourquoi il va dans... On va pas au lit, madame. On va demander d'être son petit ami. Ouais, autant s'y mettre, hein, c'est bon. Il accepte! Allez! On va lui révéler un béguin et tout. Ils sont trop mignons, on leur voit comme ça. Et du coup, il vient de devenir... Et en plus, il est fatigué et... Est-ce qu'on vous fatigue un peu plus? Affection, on va prendre une peau sexy. On va l'embrasser. Et après, ça va peut-être faire des petites galipettes. Ah, ça tombe! Voilà. Non, non, mais tu vas te réveiller et... au détour d'une douche... Alors, c'est charmant comme peau. C'est vrai que tu donnes énormément envie, là. Non, mais style... je sais pas, il y en a un des deux qui va se doucher. Il y a l'autre qui rejoint en mode folie. Et puis voilà, ça se fait naturellement. Allez, à la chedou. Oula, par contre, faites gaffe aux portes, s'il vous plaît. Elle est fragile comme douche. En vrai, quand même, quand on regarde au niveau des défis de la liste principale, on a pas mal de choses de cocher. Hein. On a la compétence mouvement qui a été acquise. On a la première entrée scolaire, le premier amour, premier baiser, première fois, déménager de chez ses parents, premier jour de travail, première sortie entre amis, avoir une promotion, un meilleur ami, repas en famille. On a déjà pas mal de choses. Hein. On a quelques... derrière aussi, mais... Voilà, ils sont tout contents, ils vont faire un gouzi-gouza dans le lit, puisqu'évidemment c'est le début, donc ça y va bien vénère. Ah d'ailleurs, ils ont pas regardé, mince, le machin romantique. Regardez une émission romantique. Il allait à un rencard, on va... Bah il est là, le rencard. C'est bon. J'ai tellement envie de... Attendez, on va mettre une lumière d'ambiance. On met une petite ambiance... Allez, les petits, là, ils vont être claqués. Bah voilà, c'est... Bon, et dormez, hein, au point où vous en êtes, là. Oh, il est trop chou! Avec la synchro et tout. Oh, je les kiffe. C'est mes nouveaux petits chouchous. Par contre, faut peut-être l'éteindre, la lumière, non? Parce que, bon, c'est pas que les factures coûtent cher, mais un peu quand même. Et du coup, le jour de la Saint-Valentin, c'est plutôt bien passé. Tu m'étonnes. N'empêche, le jour férié, je vois pas trop où il était, hein, parce qu'on est quand même parti à l'école, on devait aller travailler. Pas vraiment où il était, le jour férié, hein. En vrai, ils auraient pu passer le week-end ensemble, hein. Mais bon. Je pense qu'on la fera sortir. Qu'est-ce qu'il y a encore comme jargon de pirate? Ouh, oui madame, vite, t'as envie d'aller aux toilettes. D'ailleurs, elle a un pyjama très sexy. Mais je pense que ouais, il y aura... bah déjà, est-ce qu'elle travaille le... Bah oui, le samedi, oui, elle travaille, 21h. Donc elle va augmenter ses compétences, etc. Mais je pense qu'on va faire en sorte qu'elle sorte. Alors après, est-ce qu'elle va sortir avec François ou pas? Je ne sais pas. Mais... Voilà, elle va sortir. On va pas rester à la maison tout le week-end. D'ailleurs, elle va nous poster une story Instagram. Ça y est, les gars, je suis en couple! Avec le bol derrière, c'est super. Un pyjama. Pardon, mais regardez, 2783 abonnés. Bon, allez, nouveau défi. Sur mon Instagram, on fait ça. Elle va aller se coucher. Non, sur YouTube, c'est mieux. Soyez 2183 sur YouTube. Montrez-moi que mon travail n'est pas inutile. Ah, mais, ah ouais, tu pars à 9h du mat, toi, t'es comme ça? Me fais pas croire que tu bosses, hein. J'y croirais pas. Ok, du coup, elle se lève, petit doucement. Lapin sociable. Tintin. Mais regardez comment elle sauce. Elsa, hein, style génial, elle est vraiment rien qu'à elle, ça va. La meuf, elle est trop sereine. Du coup, on va écrire un nouveau message à François, un petit message. On n'a pas de drague. Oups, bah amusant. Allez, 14h. Oh mon dieu, j'avais pas fait gaffe. Bah 14h, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme je disais, du coup, bah en vrai, elle va sortir. Je sais pas où elle va aller, mais là où il faut du monde. Comme ça, elle va faire l'entrepreneuriat. Je pense que là, elle va y aller. Ah, je sais pas. Bon, allez, vas-y, on y va avec François. C'est barré comme un sauvage, là. Ok. Oh, il y a Kaori. Une petite Kaori. Ouh, ça y est, ils sont tout feu tout flamme, là. On va s'entraîner à chanter. En vrai, ça va, si on peut devenir célèbre. J'avais pas pensé à la... Ah, stop! On arrête tout. J'avais zappé le bal de promo. On arrête tout. Non, non, mais tu vas pas partir, toi. Déjà, bah tiens, on va s'entraîner à jouer une scène d'amour tant que t'es là. Et on va bal de promo, inviter au bal de promo. Vite, avant qu'il ne parte. La petite scène de love. Et elle aime le jeu d'acteur. Oh, nickel. Et c'est trop bien. Du coup, bah, en effet, elle est faite pour être... Alors, est-ce qu'on transcende vos cœurs? Wouh! Allez, toutes les occasions sont bonnes pour le bécoter. Ouais, non, ça nous a pas fait le... comment ça s'appelle? Ça nous a pas fait, du coup, le... L'entrepreneuriat. Bon, on va l'inviter au bal de promo. Tu veux? Oh oui! Je serais ravie d'aller au bal de promo avec toi. Wouah! Et donc là, elle va aller chanter. Parce que bon, elle est niveau 2. Faut qu'elle s'augmente un peu. Ça va être une Sims aux multiples talents. Elle va juste être trop classe. Ça sera la meilleure actrice de tous les temps. Waouh. Par contre, c'est pas la meilleure chanteuse pour l'instant. Hein. Par contre, elle a le chant. Ah oui, mais mince, c'est vrai que le travail, bah ça va tomber sur sur la soirée. Donc non, ça va pas le faire. Y a personne qui veut venir donner de l'argent? Ah merci. Ah merci papa, mais non là, je travaille. Que tu vas parler à d'autres dames, toi. Comme ça, ils passent un peu l'après-midi ensemble, même si elle travaille un peu. Très bien qu'au moins on arrive, par exemple, au niveau 3-4.
Vraiment 4, ça serait le mieux de l'entrepreneuriat, puisque comme ça, elle aurait fini pour avoir une autre promotion à son travail. Mais bon. Y'a pas quelqu'un qui veut redonner un peu d'argent, là? Ça ferait passer niveau 3. Ah, allez, madame, s'il vous plaît, un petit pourboire. Non, bah c'est le monsieur, du coup. Ah, il en reste un! Punaise, du coup, ça m'a pas fait passer niveau 3. Merci, madame. Du coup, gagner de l'influence et trouver de multiples moyens de gagner de l'argent est essentiel pour la quête de domination du monde d'Alza. Pour cela, elle peut désormais rechercher un plan de développement. Ok, et bah, elle va aller où? Promo! Au bal de promo. Il me semble qu'elle avait une tenue assez particulière en tenue de comment ça s'appelle? De soirée, non? Non, ou je confonds peut-être avec Emily. Parce qu'Emily, je me souviens j'avais mise un peu en jaune. Ouais, bon, encore, ça va. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Ok, du coup, on est au bal de promo. Pam pam. On va. Ah, il faut prendre une boisson, voter pour le roi et la reine. On va voter pour le roi. Oh, elle a l'air toute choupie, elle, Carmine. Je la connais pas. Et pour le bouffon. Alors, je suis désolée, mais qui a une tête de bouffon? Désolée, Thierry. C'est vraiment pas un personnage, je les connais pas. Ah, mais dégagez, vous me bloquez la route, là. Comme ça, elle fait ses... Mince, elle a voté pour le bouffon avant. Utiliser la cabine photo. Oui. On va aller... Non, là, désolé, on ne peut pas bosser. On va prendre une photo en étant confiante. Et il est où, notre chouchou, là? Putain, on pourra en profiter pour manger, d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe. Oh, mais il est où? Bah, mince. On a notre... Mais dis pas qu'il m'a posé un lapin, parce que là, ça va vraiment pas le faire. Hein. Déjà qu'il vient pas au lycée, si derrière, il est même pas là au... Enfin, au bal de promo, oh... Elle va danser après. Il est même pas venu. Oh, invité au terrain, là. Enfin, sur le terrain. Eh, meuf, tu prends une boisson. Eh, hey, ils commencent à s'enjailler, les autres, là, à danser, hein. Et du coup, faut qu'elle mange. Non, on peut pas parler, là. On se dépêche. Et pareil, hein, au niveau de la danse, elle se démerde. Regardez là, là. Youhou. C'est dommage que le bal de promo ne dure pas un peu plus longtemps. Attention, qui il est là, notre chérie. Pourquoi vous mettez autant de distance entre vous? Du coup, Carmine est devenue reine et Thierry le bouffon. Voilà, sans surprise. Bah écoutez du... Non, mince, c'est danser ensemble. Là, je t'abouffe, là. On dirait une dalleuse. Voilà, on a vu le truc, super. Allez, on va danser avec Coco. Meuf, montre à quel point... Remets comme quoi tu dansais tout à l'heure, là. Déjà, pourquoi il vient pas au milieu, là? J'aimerais bien qu'il fasse une petite danse, mais... Tu veux venir à l'after? Non, non, non. On va rester avec Pepper, s'il nous enlève pas tout. Parce que normalement, il me semble qu'ils enlèvent tout le tour. Mais j'arrive pas à trouver, là, pour qu'ils puissent danser ensemble. Comme le slow qu'on avait fait dans Espoir. Bon. Du coup, on ne pourra pas. Vas-y, nous auto-virer, nous ont mis à la porte. Et c'est donc tout éméché qu'elle rentre chez elle. Donc, elle va aller faire un pissou. Et chanter sous la douche. Oh, il est déjà dimanche dedans. Moi j'en reste à vendredi soir là. Oh, c'est passé beaucoup trop vite. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? L'entrepreneuriat, du coup là c'est chaud, on peut pas continuer. Après on est niveau 4 quand même. On ira peut-être plus dans la journée. À la limite elle va s'entraîner à jouer. Ah alors apparemment elle a débloqué donc un miroir, le bosseur. Ça va lui permettre de débloquer plus rapidement sa compétence. Ah, d'ailleurs, on a souvenir intemporel, tiens, bah, on va le mettre là. Mais par contre, il coûte combien le bosseur? Je sais même pas à quoi il ressemble ce miroir. Ah bah c'est celui-là. Oh, 450 encore, ça va. Et du coup, elle va nous le remplacer. C'est dommage quand même parce que j'aime bien son miroir là, donc ça m'embête un peu de le virer. À la limite, celui-là, on va le mettre en bas. Hop, et comme ça, du coup, elle a fait son premier achat avec son salaire. Je me demande si du coup, on va pas retourner au bubble tea, histoire que du coup, elle va dormir aussi. Qui du monde en fait sur place pour l'entrepreneuriat. Hop, du coup là je pense qu'elle a suffisamment dormi. On va aller au bubble tea. J'ai vu qu'il était juste à côté. C'est pour ça qu'elle peut vraiment y aller à pied. Là, il n'y a pas de souci. Ok. Ouh, monsieur, vous êtes flash. Et pas McQueen. Donc là, elle va aller s'entraîner à chanter et pourquoi pas aller derrière à la salle de sport. Ça fait un moment quand même qu'on n'y est pas allé. Donc au moins elle augmente sa compétence de chant, mais très bien qu'elle augmente l'entrepreneuriat. Franchement, dès qu'on est niveau 4, on va à la salle de sport. Il y a quand même du monde hein, qui vient au bubble tea. Hein. Je sais pas si c'est la friperie ou bubble tea qui fait ça, mais quand même, hein. Il y a du monde. Il y a du monde, mais personne nous donne d'argent. Non, papa, je ne peux pas répondre, là. Elles sont quasiment habillées pareil, toutes les deux, là. Je pense que ça va peut-être être un peu compliqué. Et quoique, en vrai, comme il y a le soirée de talent ou je sais pas quoi, là, de comédie, ça va peut-être nous ramener du monde. En vrai. Elles ont la même coiffure, les mêmes tenues. Perturbées, là. Bon, d'accord, je vois que ça n'intéresse personne. Bah, du coup, je me casse. On va aller à la salle de sport. En vrai, on pourrait peut-être aller à la salle de sport avec Emily. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti avec. Là, par contre, à peine on a arrêté, elle s'est direct ramenée. Elle, tout, j'étais dans le collimateur, Hélène, là. Hey, donc, on est de retour à Saint-Michno. Et je me demandais, en fait. Donc, c'est Emily qui lui fait ce sentiment de trahison. Oups. Alors, déjà, il va falloir qu'elle aille aux toilettes, visiblement. Madame est trop pressée. Et après, elle va aller s'entraîner.
s'entraîner. C'est vrai que c'est un truc que je fais jamais, ça, avec mes Sims, aller à la salle de sport, aller au bowling, aller faire, je sais pas, des escalades, etc. C'est un truc que je fais jamais. Donc là, quitte à faire la vie parfaite. Oula! Oui, excusez-nous, on n'en est pas au même niveau, hein. On a un loup-garou là-bas. Ah, c'est une coach? Ouais, entraîneuse dans une salle de sport. Ok. T'as regardé qui est là-bas. Jolie Joby. Du coup, là, le niveau 3 dans la fitness. Yeah. Ah, ça y est, on a Ariane en plus qui se ramène. Waouh, elle est adulte, les gars. Sachant que moi, elle est censée être ado dans le let's play. Va falloir que je reprenne, et vite. C'est pour ça que j'aime pas avoir plusieurs games, en fait, sur la même save. Et, elle a vachement couru, mais elle est pas si dégueu que ça. Je sais pas s'il y a une sorte de petit machin de resto. Là où ils peuvent manger, je pense pas. C'est dommage. Bon, je pense que donc elle va rentrer chez elle. Alors cet épisode, il risque d'être assez court, je pense. Mais j'ai envie que voilà, l'épisode prochain, on commence sur la journée au lycée, qu'on parte pas comme ça en plein milieu de semaine qu'on commence un épisode, j'aime pas forcément. J'espère donc que ce jour de Saint-Valentin vous aura plu, que vous êtes content de la petite mise en couple de notre Elsa, sa première vraie relation. Sachant que bon, je pense qu'une semaine en Sims, ça doit faire à peu près du un mois, parce que bon, et encore, peut-être un an, dans la mesure où ils vieillissent. Enfin, là par exemple, elle passe... jeune adulte d'ici même pas 3 semaines maintenant, donc voilà, je pense que ça fait un petit moment qu'ils se tournaient autour les deux, et donc voilà, hein, au bout d'un moment ils ont craqué, la tentation était trop forte. Donc si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien louper, et moi je vous dis bye bye.